Salam alaikum la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez spéciale puisque pour la première fois, je vais vous faire découvrir les coulisses de mon émission, la bande Anabilix. Donc là, je suis sur le plateau, tout est encore éteint, tout le monde n'est pas encore arrivé, mais j'ai hâte de vous faire découvrir tout ça. C'est son métier un peu quand même. Yasmine, c'est son métier. Cam, enchanté. Cam make. Bah oui. Bah après tu peux soit tu te couches, c'est pas dans les. Mais c'est un ami. Tu fais le bébé à Nadia. Il est sur le triangle, il est en train de se couper. C'est problématique. Ça doit être sans tout. J'ai tout fait pour l'avoir. J'ai des pieds et des mains. Et du coup, on va tourner une émission. Vous êtes pas prêts de très très gros sujets. Aujourd'hui, ça va être très très lourd. Super. Fais voir. Un peu de bronzer, monsieur. Non, yeah. I can feel the blood creeping up from the heathens got will. Sur le plateau de Nabilix. Nous allons commencer l'intro. Il y a quelques jours maintenant. Rentrez. Regardez qui est arrivé en retard encore. Non, mais c'est pas moi, c'est l'avion. Ouais. C'est vrai, il avait un quart d'heure de retard. Oh mon dieu, je suis rousse de fou. Je suis très fatiguée. Aucune idée. Ça dure tout le temps. À chaque fois, on dure 2 heures. Parce que ça dure 2 heures, mais en fait, ça dure 6 heures. Hey Maïsane, ça va être à toi. Tu te fais le maquillage? Ouais. J'ai une sale tête, moi, pas. Fatiguée, ça va. Je suis très fatiguée, très fatiguée. Il y a un peu de fond de parcours. Bon, tu vas mettre le chemin, machin. Très naturel, comme je fais un rugby un peu. Très bien. Je vais tourner. D'ailleurs, je t'en parlerai après, je vais avoir besoin de toi. Okay. Je vais tourner une vidéo promotion dans une. Faut que je loue un hôtel avec une belle salle de bain ou quoi. Ouais. Des shampoings, c'est la vidéo qu'on va inclure à l'épisode en fait. Ok. Genre comme une pub télé, des ouais, qu'on met. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way. Il fait quelque chose à dire. Oh non, c'est si. Pourquoi tu me filmes déjà? En fait, il y a un truc. Quoi? Noémie, tu le sais ou pas? Non, je sais pas. T'as ça va pas du tout. Bah, toi, là, je veux gros. Laisse-la, quoi. T'as pas le droit de bouger d'ici, t'es bloqué ici pendant 5 minutes. Pourquoi? T'es bloqué. Tu verras après. Vous m'envoyez en mission. Voilà. Vous êtes des malades, les gars. Je reste là. Attends, je bloque ma porte. Mais t'as, vous avez pété votre tête. Vas-y, bougez de là, j'en ai fumé. Ça va bientôt. Je m'en fous. J'en ai pour. Je m'en fous. Ah, bah viens avec moi, on va dehors. Ah, tu vas venir, regarde. Oh, il met 29. Mais il est 29, ouais. Vas-y. Du coup, il est pas au courant que vous avez préparé tout ça? Non, c'est une surprise. Qu'est-ce que tu nous as fait? Alors, on a fait, on va commencer par la fin d'année, qui est un petit peu riche. Vu que la vie, on m'a dit qu'il aimait beaucoup les fruits. On a mis son prénom dessus. C'est bien. Je sais pas si vous voyez. Magnifique. Des fruits frais qu'on a fait. En gâteau salé, on a fait des hot dogs, on a fait des wraps saumon, des wraps jambon, on a fait des burgers, on a fait des pizzas chèvre miel, on a fait des tacos, encore des burgers, on a fait différentes briques. Vous avez tout à l'heure. Après, hein, ça va pas.
Oui, moi ça fait partie de mon métier, voilà, je l'ai fait. Mais on sait, ouais. D'habitude. Et même moi, je sais que genre dans ma conscience. Ouais, pour la vidéo, c'est un petit chat. Mais il est trop mignon. Il est minuscule. La fois, on l'a emmené au Victoria, mais la musique à fond, il était comme ça. T'es un bout. Viens, c'est l'anniversaire à ton père, faut que tu sois sur la vidéo. Aidez-moi, faites-lui un vidéo. Il a peur de tout le monde. Je vais me rapprocher là, t'as encore plus. Viens, salut. Tu vois? Chopez-le! Petite Petite On dirait une saucisse. C'est une blague! Coucou! Mais il est Non, mais elle m'a dit normal, tu le prends sur toi, mais frère. J'ai réussi en pistolet. Allez, viens, viens, Titi! Bon, dit... Oh, qu'est-ce qu'il est mignon! Oui, Titi, bébé! Il faut que tu le caresses pour qu'il ait confiance et tout. Ouais, c'est ça. Ah, il a une sale tête quand tu as rangé mon gosse. Non. Vas-y, viens là. Viens. De l'autre côté. T'arrêtes de faire vénère là. C'est trop mignon. C'est ton anniversaire. C'est ton anniversaire. Franchement, t'as sur ce magnifique, incroyable. Oh là là. Maintenant, on peut manger. T'es content? Je suis trop content. TikTok qui est sorti il y a quelques jours, qui a fait trembler la toile, on l'a vu de partout. Après, bon, moi je suis un fêtard, je sors tous les week-ends, j'ai pour habitude de rentrer en taxi. Et ce coup-là, tu vas partir pour moi, ça t'arrive à rentrer dans Sophie. Coucou. Alors, il y a du scoop. Ah ouais, il y a du scoop, aujourd'hui c'est lourd. Qu'est-ce que t'es beau. C'est canon, hein. Regardez-moi ça. Désolée, je te gêne. Non, pas du tout, tu me déranges pas. Trop beau. Je te... Non, pas du tout, tu me déranges pas. Trop beau. Juste, trop beau. Hop. Ah non. Après, c'est pas bon, ça vire partout, et il faut tout refaire enlever après. Je te montrerai des photos, après tu vas être choqué. Des mes injections qui... Attends, je vais te montrer moi. Mais c'est des traumas. C'est... Moi, j'ai peur d'une aiguille, les mecs, ils vont faire des injections. C'est le monde à l'envers, ici. Hein. T'as pas eu peur? Ah ouais, mais c'est trop, là, c'est dégueulasse. Hein. On va montrer à la caméra. Ah ouais. Elles sont plus belles, t'es la vie naturelle, qu'est-ce que tu me racontes, toi? Mais tout est parti d'un côté, mais mon acide. Bonsoir. C'est qui? Je sais pas. Tu dis ça à moi, mais alors... Bon. Bah, il faut être poli, je dis bonsoir. Bah, t'as raison. Je suis beau, t'as d'être ça. J'ai mon coupable, mais quatre... Ah ouais. Ah ouais. Je fais pas le coup, la dernière. Vas-y. L'amour. Ah là. Regarde comme ça. Roche d'As de Dubaï. Merci. Merci. On n'entend pas ce qu'il dit. Ouais, celle-là est bien. Tu veux qu'on te dise quelque chose? Vas-y. Coucou, Putain, j'ai plus d'inspiration. C'est un vlog. Je suis désolée. Bah, coucou. Salut. Les vlogs. Ouais. Accueillir Barbecos, c'est la chronique de Valentin. Ouais. Ça va? Ça va et toi? Ouais. Vous
Vous êtes prêts pour spill le thé? Ouais. Alors, aujourd'hui, chronique particulière. On n'a pas plusieurs scoops, on a un gros scoop à traiter. Mais vous êtes pas prêts? J'espère que vous êtes prêts autour de la table, parce que c'est du très très lourd. Ah, j'avais envoyé des vidéos, elle a des vidéos de toi qui la frappe et tout. Écoutez ce qu'elle va dire là. Elle l'a dit sur ma télé. Elle l'a dit. Non, elle l'a pas dit, mais... Ah, attendez, s'il vous plaît, pause. Et ça se sait, quoi. Tout ce qui l'intéresse là, c'est de savoir si elle l'a dit sur ma télé. Je pensais qu'il allait démentir et dire c'est faux. Enfin, tu vois sa tête déjà qu'elle ressemble à un diable. Elle est pas... Même, ça se voit, elle est hyper vulgaire. Et de toute façon, tout le temps, en mode c'est elle la meilleure, c'est elle le machin. Je te dis à très vite pour une prochaine chronique et prends soin de toi, bisous. J'allais aux toilettes. Bisous. Ouais, sympa. Parfait, on fait une petite pause et on reprend. Tu peux reprendre les notes, hein, chérie. Oui. Quand on va reprendre, là, bien. Je ferai genre vos départs. Merci Ruby, ouais, merci Hamza, machin, Yara. Ciao, ciao, à très très vite. Ouais. J'espère que je te retrouve. Pardon, je passe devant. Pour la promo, ton album et tout. On va un petit truc comme ça et voilà, ok? Ok, ça va. Okay. Mais non, fais une petite pause. Non. Bon, pardon. Du coup, on a une première team ici. La salle est séparée en plusieurs clans. Deuxième team, toi t'es tout seul. Mais non, fais une petite pause. C'est pas son anniversaire à Noémie, je sais, hein. Mais c'est sa femme. Les amis, juste deux mots. Je voulais vous remercier à tous. Vous êtes juste adorables. De base, c'est une équipe professionnelle, mais moi, vous êtes aussi ma famille. Je vous kiffe vraiment. Je kiffe travailler avec vous. Et j'espère qu'on va aller loin tous ensemble. Et merci pour cette belle surprise. Merci à toi, Nadia. Moi, tu peux déchirer. Ouais, vas-y, fais comme les enfants, déchire. Je vais Tu l'as déjà essayé. Alors, j'ai pensé, elle m'a dit que tu l'as essayé. Je l'ai essayé il y a 3 jours. Ouais. C'est la meilleure. C'est le réversible avec le verre derrière. Merci. Je fais le dégoût maintenant. La coste, je l'ai essayé il y a 3 jours. La tête de moi. Je lui dis, je prends ça, elle me dit, hé, t'as essayé il y a pas longtemps. J'aime trop. Ouais, vas-y. Je prendrai mes snaps après. Moi aussi, une petite carte. Et à la dernière minute, elle m'a envoyé un message, elle m'a dit, je viens pas. Ouais, c'est ça. J'étais en chemin, elle me fait problème. Je fais, ah, ok. Je lui dis, bah, je fais quoi? Elle me fait, bah, va quand même le voir. Ouais, ouais, c'est pas grave, on va prendre le temps de bien discuter. Là, elle a failli partir, je lui dis, mais je crois qu'il a une pause à 16h30. Et elle m'a dit, ouais, oh, ça va durer 2h30. J'ai fait quoi? Je suis désolée, Yassine. Non, mais y'a pas de soucis. Tes disponibilités, c'est quoi? J'ai besoin de limite un week-end. Avec CAD pour préparer le travail. Et j'ai envie de faire un vrai travail de recherche. Donc qu'on soit plusieurs, chacun, par exemple, quelqu'un qui se met sur sa biographie, quelqu'un qui se met sur les questions, les sujets à aborder, quelqu'un qui se met. Et par exemple, je m'étais dit partir un week-end, tu vois, avec CAD, ma femme. Et je sais que, enfin, de ce que m'a dit CAD, tu vas pouvoir mettre une aide très, 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 très précieuse. Parce que j'ai ouvert ma semaine. Pourtant, t'as fait le plus dur. Dis pourquoi ouais. Vraiment t'es allé à l'école de droit. Dis la vérité. J'ai choisi mon école pas par rapport, c'est vrai. Opportuniste. J'ai toujours été très ambitieux, très opportuniste. Et moi, j'ai pas regardé mon école par rapport à ce que je voulais faire. Ouais. Par rapport aux gens qui avaient dedans. Je suis allé dans une école où il y avait que des blindés, des fils à papa, ouais. des gens connus. Et ça veut dire mes amis, moi, à la fac, demande à ma sœur, c'était que des enfants de ministres, des tu sais, par exemple, j'avais la fille du président de la Côte d'Ivoire, elle était dans ma classe, j'avais des enfants de ministres. Et aujourd'hui, c'est toujours mes amis. Ouais. Sauf que eux, ils ont leur diplôme et que moi, je fais des vidéos. Mais non, arrête. Et que je fais des vidéos. On avait commencé la semaine, ça, c'était bon. C'est là, c'est quand j'ai commencé, j'ai ouvert mon entreprise et j'ai arrêté l'école. Ma mère, elle m'a renié au début.
ça veut dire que je vais entreprendre des choses et entre temps il y a des choses qui vont se rajouter. Ouais, ça c'est normal. Ouais, et il y a des choses qui se rajoutent, ce qui fait que bah, je suis plus totalement disponible pour ça, mais je suis toujours dessus, mais je suis aussi en train de faire ça et en train de faire ça. Et c'est pour ça que je délègue de plus en plus à des personnes comme CAD. Ma femme elle peut pas tout faire, donc c'est pour ça que j'ai pris CAD, mais CAD elle peut pas tout faire non plus, c'est ça. Et c'est bien, ça veut dire qu'on évolue bien, tu vois. Donc voilà. Donc aujourd'hui j'ai besoin de savoir dans quel cadre est-ce que je peux le bloquer. Savoir, ok, il a le droit de parler de nous, mais jusqu'à quel stade dans ces vidéos. Bon, la famille, petite pause, ça fait 2 heures qu'on tourne, j'en peux plus. Là, je suis venu souffler un petit peu, fumer une petite cigarette aussi, c'est pas bien, mais je vous le dis. Et voilà, franchement, ça se passe super bien, l'émission est top, elle est magnifique. L'équipe m'a fait une super surprise, c'était mon anniversaire il y a pas longtemps, je vous mettrai des images. Magnifique, j'étais trop content. Je suis un petit peu dégoûté, Rebecca, ma chérie, elle était pas là aujourd'hui. C'est moi la surprise. Rebecca, si tu vois cette vidéo, grosse force à toi, tu nous manques trop et on a hâte de te voir au prochain tour. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Je suis plus proche des 30 que des 20. Merci à tous. Du manque de budget, faut savoir qu'il nous a trouvé un hôtel à Porte-de-Clignancourt, très dangereux. Il y a plus de 10 filles qui se sont fait agresser. Moi, j'ai failli me faire voler mes affaires devant l'hôtel. Il n'y a pas eu assez de chambres pour toutes les filles, donc il y a eu certaines filles qui ont dû payer par leurs frais, par eux-mêmes. Faites gaffe, ils filment tout, donc faites gaffe parce que je le dis. Il y a un off là. En fait, là, j'ai plus l'impression d'être vlogueur avec toutes les caméras là. On a reçu des appels toute la semaine. J'ai reçu des menaces de mort pour moi, pour grandir, pour que je puisse passer. Ah, j'aime pas. T'as pas de goût. Pas un beau nom, mais le goût. Ouais, moi je vais le dragon, il est pas trop en fait. Le goût, c'est fade. Je crois que les gens, ils en raffolent parce que c'est cher. C'est ça. Pourquoi ils ont rigolé? J'ai beaucoup hésité avant de venir sur ce plateau. Je suis quelqu'un de droite. Je suis bourré, mais en fait, c'est parce que j'ai trop... Rencontre, on écharpe, elle. Maïsane, elle a attendu une grosse perche, elle l'a pas fait. Elle va pas le faire. Il faut en parler. Tu disais plus sur mon Snap. Ah bah désolé, c'est moi je l'ai dit. Moi j'ai eu des menaces, je m'en fous, j'en ai quand même parlé. Moi j'étais le seul à en avoir parlé. Hein. Moi je l'ai contacté, il n'a pas répondu non plus. Il a répondu à personne. On est prêt. C'est bon? Ouais. Ah, regarde, c'est comme si tu parlais avec des potes. Regarde même pas, il n'y a pas de caméra. On est en train de parler entre nous. Non, il n'y aura même pas les caméras. On est juste. Ouais, moi j'oublie les caméras. C'est comme si là, t'as vu, t'as des potes, ils vont te poser des questions. Toi, tu vas leur raconter ton histoire. Vraiment, stresse pas. Tranquille. C'est bon, ça tourne, on peut y aller. J'ai oublié le petit briefing. Évitez de taper sur la table. Okay. Et mettez vos téléphones en mode avion. Ouais, c'est bon, j'ai déjà dit ça. Et mais pourquoi tu me regardes quand tu dis ça? Parce que vous êtes nouvelle sur le plateau. C'est la dernière partie de cette émission. Et pour cette dernière partie, on va traiter d'un sujet très très grave qui me tient beaucoup à cœur. Voilà, et je prends aussi beaucoup de plaisir à lire vos commentaires. N'hésitez pas à commenter, à liker. Je vous le dis souvent, ça vous coûte rien. Mais nous, ça nous aide beaucoup pour le référencement. Et ça nous touche en plus. C'est vrai. Belle émission en tout cas. Merci. Au revoir tout le monde. Okay. Ça fait du bien, ça me libère. Ça va, t'as été très bien. Trop dur. Non. Bravo. Bravo. Je parle pas de l'espagnol. T'inquiète pas. T'as été au top. Ouais. Non, mais ça lui fait mal de... Ouais, de remélanger, de parler tout ça. Je comprends, c'est normal. C'est trop dur. Et tu vois, je suis persuadé que dans quelques temps,
c'est lui qui va y penser en disant quel con j'ai été. Mais ouais, je suis sûr certain que si c'est pas déjà et toi, et toi tu disais ouais, je sais pas parce que j'avais rien, j'avais. Je sais pas de ce que tu fais demain. Ne t'enferme jamais, ne te mets jamais à toi dans le mal pour une personne. Parce que tu crois que si tu ne trouveras pas mieux, il y aura toujours mieux. Il y aura toujours mieux. Quelqu'un qui ne te respecte pas, tu trouveras toujours mieux. Ça aussi, je peux avoir le courage de parler. Bah tu vois, tu l'as eu. Là, tu viens de franchir un pas. T'es sortie de ta zone de confort. Et t'es encore plus forte que là, il y a 10 minutes. Et tu vas aider énormément. Énormément. Ouais. Tu vas avoir le nombre de messages que tu vas recevoir, t'es pas prête. Et tu vas lire des messages, tu vas te dire mais... Et tu vas te reconnaître en certains messages, tu vois. C'est sûr, c'est sûr. Là, tu revis, là. Ouais, je revis. J'ai travaillé pendant plusieurs mois, je travaillais dans un fast-food et tout, mais je te jure que ça me faisait trop du bien de me réveiller, d'aller voir des gens et tout. C'était juste de discuter. De sortir de cette bulle dans laquelle t'as J'étais à Marseille, chez mon oncle, je connaissais personne. C'était mon seul plaisir, c'était le travail, dis-toi, j'avais plus rien. Alors que moi, de base, je suis quelqu'un, je suis festif, j'aime faire la fête, j'aime aller en soirée, j'ai beaucoup de copines, beaucoup de copains. Mais ça tombe bien, moi aussi, j'aime faire la fête, on va sortir ensemble. Voilà, avec plaisir. On est tous du sud de la France. Voilà, on est tous des sudistes et on va tous sortir ensemble. Ouais. À part ça, les amis, je suis vraiment très content d'avoir tourné cette émission, j'ai kiffé. Elle était vraiment très très bien. C'était carré, hein. C'était carré. De la première partie jusqu'à la dernière partie, j'ai vraiment kiffé. Merci à vous tous d'avoir fait le déplacement, vous êtes venus de partout, il y en a qui viennent du sud de la France, il y en a qui viennent du nord, il y en a qui viennent de donc franchement de Brest. Ouais, il y en a qui viennent de la campagne. C'était incroyable et vraiment c'est pas mon émission, c'est notre émission et demain si ça pète plus que ça pète, ce sera notre réussite à tous. Et c'est beau, on applaudit. Ouais. Le tournage, tu l'as senti comment? La fatigue et tout. Franchement, fatigant, mais c'est de la bonne fatigue. Je kiffe. Moi, je le vois pas vraiment comme un taf. Hein. C'est mon kiff ce que je fais. Même si c'est un travail, je kiffe vraiment. Et aujourd'hui, j'ai eu des invités du futur. Ça va être une super émission. J'ai hâte que vous la découvriez. Donc les amis, j'ai pas pour habitude de vous faire ce genre de vidéo, c'est la toute première fois, j'espère que ça vous a plu et dites-moi en commentaire si ça vous plaît, si vous en voulez plus, que je vous montre plus de off, ce qui se passe derrière la caméra et voilà, en tous les cas, un petit commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir, partagez la vidéo si elle vous a plu et quant à nous, je vous dis à très 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 vite.